Bonjour, frère Maximio, comment nous sommes? C'est JFL Cuisine Girl, Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison qui est entré là avec nous. Je dis nous merci, hein. Merci pour fidélité nous et confiance nous. Pour partager, nous partager vidéo pour moi, ça fait un plaisir. Nous rendu à 18 500 abonnés, je dis nous merci. Je vais préparer pour nous là une petite recette. En Haïti, on a le mèchi. Mais normalement, c'est cigare au chou. C'est une viande bien préparée. Qui pral rouler en dedans yon série de feuilles de chou. Pour me faire cigare au chou là, même bien 500 grammes de bœuf haché de vam nan. Moi mettez yon œuf entier là-dedans, moi mettez sel, moi mettez yon cuillère épice haïtien que moi gen pour montrer nous faire bientôt. Moi mettez yon petit piment bouc rouge que moi gen là, moi prend tout grain yon mettez au dehors et puis me prend pour me déposer. Après ça moi mettez thym. Je mettez yon grain de tomate entier là-dedans. Je mettez persil et oignon en cube. Je prends un citron entier, je verse là-dedans. Qu'on a pour finir, je mettez poivre. Une fois que je mettez le poivre là, tout là-dedans, je brasse. Une fois que je bien brasse, qu'on a moins de différents, qu'on a là, je mettez le commencer à cuire. Je ne vais pas mettre un peu de différents pour ne pas brûler. Je vais mettre une couverture sous le tout. Je vais mettre à fond moins à E6 avec une couverture. Je vais quitter le cuit. Quand on a pendant la viande cuite, on constate que j'ai deux chaudières en différé. J'ai un petit chaudière pour me cuire 3 quarts de tasse de riz. Quand je dis cuit, ce n'est pas cuit vraiment. Nous allons voir comment je fais. De l'eau à peine fin bouillie. Dès qu'elle bouille, je vais mettre 3 quarts de tasse de riz là-dedans. 5 minutes après qu'elle fin bouillie, je vais arrêter de l'eau pour couler du riz. Et puis, je vais vider de l'eau fraîche tout pour m'arrêter la cuisson. Les mêmes de l'eau, ça, les mêmes, je vais mettre simplement chaud, pas bouilli là. La peine est seulement chaud, et puis je vais arrêter lui. Et puis, m'arrêter, et puis nous allons faire chaud. Et puis, nous allons voir comment on va le mettre, et puis je vais vider de l'eau chaud sur lui. Et puis, tout de suite, après qui ça va le faire pour moi arrêter la cuisson. Ok? Nous allons suivre. L'eau est ici, est bien chaud. Qu'on allait bien, bien chaud, qu'on a quitté là, qu'on va venir avec un gros bol à mi-temps là. Avec chou, nous voilà qui ça m'a fait. Quand on a venu avec feuillot, mais fait chou bien là, je l'ai déposé là-dedans. Lorsque on a mis de l'eau chaude sur lui, mais fait chou là, moi retiré, moi déposé dans l'autre chose. On prend avec précaution pour ne pas déchirer, d'accord? Bien arrangé. Ok, voilà, mais fait chou là. Fais le choix, je vais le mettre dans le frigidaire aussi. Ok. Quand on a là, ça fait 5 minutes, je viens de durer après. Je vais fermer. Regarde. Mais ça vient de là, ok. Nous allons. Et on dirait braque là. Là, nous allons. On a là, on va le couler sous l'eau froide pour que m'arrête la cuisson. Et puis nous allons voir ça vient de faire avec. Mais durer, je viens avec là. Quand on a lorsqu'elle finit cuite comme ça, mais nous allons dire vraiment à denté là. On dirait croquant. C'est là, moi prends une tasse de riz comme ça. Moi pour le mettre dans la viande là. OK, qu'on a brassé la veille. Fini brasser bien brasser qu'on a là ou même on a ajusté gros parce que et là qu'on a dur pour commencer un petit jean cuit encore. Qu'on a là même fini avec une petite tasse de tomate broyée, moi vider là-dedans. Qu'on a là moi baisser volume dit fait moi à 3,5. Moi brasser. Qu'on a regardé qui ça vient fait bailler un petit collant. Si qu'on y a ou même ou à vivre dans le pays étranger, il y a une sauce, il y aurait des sauces chili. On va venir et puis on va mettre une tasse de sauce chili là-dedans. On va mettre notre petit piment là-dedans pour qu'il y ait un petit goût. Mettre un petit sel encore, mettre un petit poivre encore, ou réajuster. Et puis qu'on va quitter tranquillement. Et puis voilà, qu'on va descendre. On a là moi-même. C'est prêt là, ok? Il va gagner l'huile, c'est prêt. C'est ça, me besoin qu'on a là moi quitter le refroidi. Et puis finir le refroidi. Et puis qu'on a celle-là, moi pour l'utiliser pour me faire. Ça là, c'est un petit tomate broyé que moi fais. Moi mettez juste un petit persil là-dedans. Et puis qu'on a mis un petit diffé à 1,5 là-dessus, là-dedans. Et puis qu'on a là, m'a quitté le frémi tranquillement. Lui-même là, comme un bagage chaud, c'est lui-même moi pour le vider, l'aime fin rouler, cigare au chou là. Ou bien méchi, j'en ouvre là. Qu'on a l'aime pour le venir. Si ça est après, ou même souvle, ou bien on va mettre un petit lait là-dedans. On va besoin mettre ni sel. Ni poivre. Mets ton petit persil, un petit thym, je vais mettre un petit persil aussi, je vais mettre sel, mais je vais mettre un petit sucre là-dedans,
Comme on te dit, nous, tout ça que fait avec tomate, nous devons mettre toujours une cuillère de sucre pour nous enlever l'acidité. Juste ça seulement, on va le mettre. Ok? Quand on a fini avec mes chiens, avec un cigare au choix, je vais étaler une belle feuille de chou. On va enlever un petit morceau pour qu'elle fasse bien belle. Taille. Je vais mettre un bel petit morceau de viande là. Plus pas belle là avant. On vous le dit comme ça. On casse les deux côtés. Et voilà. On vous le dit comme ça. Et voilà. Ça va dans mon bel cigare de chou. Et voilà. Venez. Ok. Qu'on a la moins rangé dans le moule. On va mettre comme ça dans le moule. On va le faire d'autant comme après déposer encore pour nous. Ouais. Ou pas besoin de mettre aucun beurre, rien en dessous, ok? Ça, dans chien encore. Qu'on a la moelle, continuer à faire tout le reste pour nous de suite ensuite. Et puis après ça, m'a venir à la fin avec, ok? Qu'on a mis toutes mes chiens là, moi fais ça là. Qu'on a là, moi venir avec petite sauce tomate bois et me prendre, bat me mettre un peu de bagarre là dedans. Moi vider le sous. Et voilà, madame. C'est bon. Qu'on y a là, c'est ça, c'est prêt. Qu'on a la moine seulement chauffée foie à 350. Et puis ma panique mette en bas foie pour 35 minutes. Ça va être parfait. Si ça y a un méchi, ou bien j'en aurai ici là lui-même, un cigare de chou. Ok? Après 30 minutes plus tard, c'est parfait ça. Waouh! Qu'on a la map qui te refroidit pendant une vingtaine de minutes. Et puis après, ça m'a donné sortir. Mais, manquer un petit sauce tomate là. Et puis là. Parce que c'est ça qui fait le monter là. Ok? Qu'on a nous parlé, elle fait une frette. Nous allons retirer pour nous rembarrer. Mais chi a fait. Ou bien si nous voulons cigare de chou. Qu'on a nous-mêmes, généralement là. Nous, si nous voulons, nous avons fait la caille nous. Nous ne pas mettre fromage. Qui raison pas mettre fromage comme ça parce que là nous allons prendre la difficile pour nous tomber sous lui directement. Qu'on a là moi-même, ça c'est fait, c'est comme ça généralement nous comme on dit nous, juste manquer un petit jus de tomate. Okay? Qu'on a là moi-même, ça va le faire, on va prendre deux là-dedans pour qu'on ait mal gratiné, c'est lui qui a pris en photo. Okay? Et qu'on y a là, moi mettre un petit fromage sous lui, on va le gratiner. Mettez le fromage à 400 et puis 3 minutes. Une fois monté à 400, 3 minutes, c'est parfait. Ok? Waouh! C'est vraiment beau, hein? On fait comme ça, j'en ai là, et puis qu'on a l'eau à le servir, ou retirer le pain en unité et vous bailler. Parce que si vous mettez le fromage là tout sous lui, qu'on a la 20 ans, qu'on sort de gratiner, tout le fromage a tombé sous lui tout long. On a l'eau à le prendre, qu'on a l'eau à tomber dans la mi-temps, et puis le couper. Voilà, c'est parfait, hein? Cigare au chou, en Haïti, nous avons ça méchi. C'est facile à faire, hein? C'était JFL Cuisine Créole, Jean-Philippe Dolendi, votre chef à la maison, qui est rentré à la caille. Merci, au revoir.